Je vais lui parler. Maintenant, est-ce qu'il voudra me répondre? Ça? Tu dois déjà connaître cette île comme ta poche, hein? Déjà faufilé dans le camp militaire? Je raconte n'importe quoi, moi. Pourquoi tu parles pas? T'as donné ta langue au chat? J'arrive à rien. Papa dit que tu es une menace pour la société. Non, ça semble juste l'amuser. Je perds mon temps. Autant lui ficher la paix. Les gens exagèrent un peu quand ils parlent de son caractère. Il m'a l'air tout à fait calme. Je peux pas voir l'écran, mais à en juger par les sons, elle doit pas être très moderne. J'aimerais reparler au colonel. Encore? La chance que je sois sympa. N'importe qui d'autre t'aurait déjà envoyé bouler. Felton, ne quitte pas des yeux. Leslie, il y a le civil de tout à l'heure qui veut encore parler au colonel. Ok, Felton, accompagne ce civil jusqu'à la tente du colonel. À vous ordres. Leslie, je t'ai amené le type. Vous ne lâchez pas le morceau. Attendez-moi près du bureau. Le civil de tout à l'heure désire encore vous parler, mon colonel. Montrez-lui comment se servir d'une grenade comme suppositoire, Flower Pot. Vraiment, papa? Je ne suis pas ton père ici, Lester. Entre, il faut qu'on parle. Bon Dieu, plus c'est grand, plus c'est grand. Il faudrait vraiment que je trouve quelque chose susceptible de fonctionner. Ça m'étonnerait que ça m'avance beaucoup, mais bon, après tout. Non, Leslie m'a demandé de rester là et ce truc est entouré de soldats. Je préfère ne pas traîner dans le coin. Non, je préfère ne pas en abuser. Je vais finir par me faire prendre. Hors de ma vue, Flower Pot. Vous pouvez entrer, monsieur. Monsieur. Merci. Je vois que ça vous amuse de me chercher. Répondez. Qu'est-ce que vous foutez sur mon île? Je continue de penser qu'un de vos hommes l'a forcément vu tomber dans le lac. Si c'était le cas, je le saurais. À moins que vous ne soyez en train d'insinuer que mes propres troupes me cachent des choses. Ma copine est danseuse exotique. Si vous me dites où elle se trouve, on pourra s'arranger pour qu'elle vous fasse un petit show. Vous n'y connaissez foutrement rien en stratégie, hein?
Ce que vous venez de me dire me fournit une excellente raison pour ne jamais la relâcher. Enfin, si elle était là, évidemment. Je suis sûr que mes hommes vous en seront reconnaissants. Peut-être que vos hommes ont préféré vous cacher la présence de ma copine, parce que c'est une vraie bombe. Ça, mon gars, ce serait considéré comme de la haute trahison. Les règles sont formelles. Toutes les femmes de l'île doivent impérativement me rendre visite dans ma tente afin de se voir accorder mon autorisation. Les femelles, je les ai à l'œil, vous pouvez vous croire. Vos hommes ont peut-être estimé qu'il n'était pas nécessaire de vous en informer ? Absolument impossible. Mes hommes ne pensent pas, même lorsqu'ils sont habillés en civil pour se fondre dans la masse. Ils ont été formés afin d'exceller dans ce domaine, et ce sont les meilleurs qu'on puisse trouver. En fait, ce que je voulais dire, c'est... J'ai plus vraiment envie de vous parler. Pour rappel, vous ne partez pas parce que vous le désirez, vous partez parce que je vous fiche dehors. Faites comme le Gaul, dégagez. C'est assez impressionnant de songer qu'il descend d'une longue lignée de sorciers docteurs. Non, il m'a déjà expliqué qu'il ne pourrait le ressusciter que dans la hutte de son grand-père. Non, il m'a déjà expliqué qu'il ne pourrait le ressusciter... Salut, Kai. Aloha, Brian. Quoi de neuf? T'es vraiment sûr de pas pouvoir ressusciter le perroquet ici? Archi sûr, bro. En plus, ça fait tellement d'années que mon Kupuna m'a enseigné le rituel qu'il faudrait que je puisse consulter ses livres pour m'en souvenir. Le seul moyen de le ressusciter repose sur la terre de mes ancêtres. Aux côtés de la Hawaï de mon Kupuna. Parle-moi un peu de la hutte de ton grand-père. Je ne sais rien qui pourrait t'aider à la trouver, bro. À part ce que je t'ai dit. Elle se trouvait au nord-est de l'île, près d'un petit cimetière. Et je sais aussi que c'est pas la porte à côté. À ta place, bro, je me détendrai un peu et je piquerai un petit roupillon. Bon bah, je vais me promener un peu sur l'île. Aloha, Kaua, Brian. Moi, je vais reprendre ma séance de méditation. Bon. Voyons si j'arrive à m'en sortir avec ce sale gosse, cette fois. L'écran, mais à en juger par les sons, elle doit pas être très moderne. Non, il y a que les méchants dans les téléfilms de Noël qui volent leurs jouets aux enfants. Les gens exagèrent un peu quand ils parlent de son caractère. Il m'a l'air tout à fait calme. Déjà connaître cette île comme ta poche, hein? Tu n'aurais pas par hasard été visiter une hutte dans la jungle?
y a peut-être été, mais je l'imagine mal me guidant jusqu'à elle. Pourquoi tu parles pas? T'as donné ta langue au chat? J'arrive à rien. Je suis sûr que quand tu seras grand, tu seras ventriloque. Ah non, flûte, j'ai inversé. C'est le vrai monsieur qui cause. Pas ta taillet. Bon, écoute. Qui tu préfères? Maman ou papa? Ouais, évidemment. Vu que ton père est un drôle de spécimen... Ton papa dit que tu es une menace pour la société. Non, ça semble juste l'amuser. Je perds mon temps. Autant lui ficher la paix. C'est celui du stand photo. C'est celui de la maison de l'Okelani. Je me demande où elle est. Je retourne me faire bronzer. C'est celui du restaurant de fruits de mer, le Seafood Kahuna. C'est celui du restaurant de fruits de mer, le Seafood Kahuna. Non. Si Knife fait un vol plané, je vais me retrouver sans hors-bord. C'est celui du bison mécanique.
Il fait noir comme dans un four ici. Il n'y a rien d'autre. Juste un peu de sueur. Comme dans le crâne d'O'Connor, encore une fois. Elle n'a pas l'air très stable. J'ai pas envie de finir écrasée en dessous. Heureusement qu'il n'y a pas trop de marche. Je vais encore fouiller un peu. Il n'y a rien d'intéressant par ici. Ça ne m'avancera à rien. Non, il s'amuserait à le tuer en boucle. Ce n'est pas une bonne idée. C'est un détecteur de métal, pas un détecteur de sueur. Ça ne rime à rien. Ça ne va pas marcher. Ça ne m'avancera à rien. Ça ne m'avancera à rien. Cette idée ne me plaît pas. Ça ne rime à rien. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Non, ça ne me dit rien. Ça ne rime à rien. Non, il s'amuserait à le tuer en boucle. Il n'arrête pas de hurler des trucs bizarres. Soldat O'Connor ? Chef, oui, chef.
Il y a autre chose que j'aimerais savoir à propos du professeur Pignon. Mon ignorance est à votre disposition, chef. Savez-vous comment il est censé arriver ici? Je pense qu'il arrivera fatigué, chef. Je voulais dire, grâce à quel moyen de transport arrivera-t-il sur l'île? Je n'en sais rien, chef. Mais que ce soit en avion, en train, par bateau ou à la nage, il est indéniable qu'il sera fatigué, chef. Surtout s'il vient à la nage, chef. Vous rendez-vous compte que je pourrais vous faire arrêter et enfermer pour divulgation d'informations confidentielles? Là, vous m'avez bien coincé, chef. Je suis fichu si je mens, et je suis fichu si je dis la vérité, chef. Je ne suis qu'un simple soldat d'infanterie, incapable de rivaliser avec votre machiavélique logique de West Point, chef. Parlons d'autre chose. À vos ordres, chef. Regagnez votre position, soldat. Et n'oubliez pas que je vous ai à l'œil. À vos ordres, chef. Ce n'est pas une bonne idée. Restez là. Nous risquons de devoir partir en quatrième vitesse. Ne vous inquiétez pas, je cours plus vite qu'un tonton. Je peux réparer n'importe quoi pour pas cher. Non, je suis pas du genre à piquer les outils marketing des autres. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Ça m'étonnerait que ça l'intéresse. Cette idée ne me plaît pas. Je ne vois que la mer. Enfin, il n'y a pas à se plaindre, hein. Non. L'alcool ne résoudra pas mes problèmes. Il ne fera que m'en créer de nouveau. J'ai pas les mains sales, ça ira. Il y a que des cendres et des mégots de cigarettes. Encore faudrait-il que je trouve un moyen de faire tenir ce fichu perroquet sur son perchoir sans qu'on se rende trop compte qu'il est aussi raide que cet espadon. Ça ne va pas marcher. Ça ne m'avancera à rien.
L'Ocalani n'est ni stupide, ni aveugle. Je vais donc éviter. J'arrive pas à déterminer si elle est futée, cinglée, ou un peu des deux. L'Ocalani, je voulais vous demander quelque chose. Désolée, je dois être la plus mauvaise serveuse de tout le Pacifique. Qu'est-ce que je vous sers, Caïn ? Non, j'ai pas vraiment soif. Je voulais juste papoter un peu. Vous pouvez vraiment pas me donner un petit indice ? J'aimerais vraiment vous aider, Caïn. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si vous le méritez. C'est qu'une hypothèse, mais Aolani est peut-être en train de voler dans des cieux plus bleus. S'il lui arrive quoi que ce soit par votre faute, vous pourrez oublier votre séance de maquillage. Laissez-moi maintenant. Ah non, hors de question que je remette un pied dans cette foutue jungle. Je suis sûr que c'est dans Slack que Gina est tombée. J'aimerais bien, mais ça m'étonnerait que j'arrive à l'atteindre. Étant donné que je suis à un point de contrôle militaire, ça me semble pas être une bonne idée. À quoi peut bien leur servir un char s'il n'y a pas d'ennemis à attaquer ? Non merci, je suis très bien ici. J'apprécierais que le type à la mitrailleuse arrête de me viser. J'ai jamais vraiment aimé attirer l'attention sur moi. J'ai un vieux copain qui bosse ici. Je voudrais juste passer lui faire un petit coucou. Seul le colonel peut autoriser quelqu'un avant le camp, mon pote. Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Bon, bah, je repasse à plus tard. Lâche l'affaire, mon pote. Je bougerai pas d'ici. Thank you.
November Golf Roger, request you check your Romeo side. I'll go ahead and check my tango side. Check November Golf out. J'aimerais reparler au colonel. Encore ? T'as de la chance que je sois sympa. Ce qui d'autre t'aurait déjà envoyé bouler. Felton, ne quitte pas des yeux. Leslie, il y a le civil de tout à l'heure qui veut encore parler au colonel. Ok. Felton, accompagne ce civil jusqu'à la tente du colonel. À vos ordres. Leslie ? J'ai amené le type. Très bien, approchez. Monsieur. À vos ordres, mon colonel. Mon père, le colonel ne va pas apprécier de vous revoir. Attendez-moi près du bureau. Le civil de tout à l'heure désire encore vous parler, mon colonel. Destinez-lui une cible sur les fesses et lâchez-le dans le champ de tir, Flower Pot. Vraiment, papa? Je ne suis pas ton père ici, Lester. Entre, il faut qu'on parle. Bon Dieu, plus c'est grand, plus c'est con. Non, je préfère ne pas en abuser. Je vais finir par me faire prendre. Heureusement que Leslie écrit toujours tous ses ordres là-dessus. Quel engin ? Pourquoi faire ? Il sonne pas, et je vois pas l'intérêt de le voler. Je crois pas que commettre un vol en étant surveillé soit une très bonne idée. Encore juste une petite chose, mon colonel. Les coordonnées de la hutte abandonnée sont 24 degrés 33 minutes 21 secondes nord, 157 degrés 2 minutes et 15 secondes ouest. Je ferais bien de noter ça avant de l'oublier. Et sans moi cette chemise de ton falsard, t'es plus à l'école, nom de Dieu. C'est là qu'un GPS me serait utile. Il me suffirait d'entrer ses coordonnées et je trouverais la hutte du grand-père de Kai en deux coups de cuillère à peau. Hors de ma vue, Flower Pot. Vous pouvez entrer, monsieur. Monsieur. Merci. Je vois que ça vous amuse de me chercher. Répondez. Qu'est-ce que vous foutez sur mon île ? J'ai plus vraiment envie de vous parler. Pour rappel, vous ne partez pas parce que vous le désirez. Vous partez parce que je vous fiche dehors. Faites comme le Gaulle. Dégagez. Salut, Kai. Aloha, Brian. Quoi de neuf? Bon, bah, je vais me promener un peu sur l'île. Aloha, Kaua, Brian. Moi, je vais reprendre ma séance de méditation. Bon, voyons si j'arrive à m'en sortir avec ce sale gosse cette fois. Je peux pas voir l'écran, mais à en juger par les sons, elle doit pas être très moderne. Y a que les méchants dans les téléfilms de Noël qui volent leurs jouets aux enfants. Oh.
bien fait de noter ça. Je m'en serais jamais souvenu. Connaissait-il mieux que personne, c'est sûr. Mais de là à ce qu'il parvienne à localiser la hutte de son grand-père à partir de coordonnées, faut pas abuser. Difficile d'imaginer trois personnes habitant là-dedans. Bon, voyons si j'arrive à m'en sortir avec ce sale gosse cette fois. Je vois pas. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Je veux pas qu'il se demande où j'ai pu l'obtenir. Soldat O'Connor ? Chef, oui, chef ! Vous n'auriez pas un GPS sur vous, par hasard ? Désolé, chef. Je savais bien que vous finiriez par me sanctionner, chef ! Pardon ? J'ai été stupide, chef. J'aurais dû vous en informer dès le départ, chef. M'informer de quoi ? Je l'ai perdu, chef. Votre GPS ? Oui, chef. Je suis certain que je l'avais en quittant le camp, chef. Car j'ai vérifié mes coordonnées avant de déjeuner, chef. Mais j'ai été poursuivi par un gamin turbulent, chef. Quelqu'un en a sûrement profité pour me le voler pendant ce temps, chef. Bon. Vous en faites pas trop pour ça. J'accepterai toute sanction avec honneur et intégrité, chef. Personne ne va vous sanctionner, O'Connor. Mais bon, si vous finissez par vous souvenir où vous l'avez laissé, ou de la personne qui pourrait vous l'avoir volé, faites-le-moi savoir. Chef, merci, chef. Regagnez votre position, soldat. Et n'oubliez pas que je vous ai à l'œil. À vos ordres, chef. Voyons si j'arrive à m'en sortir avec ce sale gosse cette fois. Je peux pas voir l'écran, mais à en juger par les sons, elle... Hé, une minute ! O'Connor m'a dit avoir perdu son GPS après avoir eu des problèmes avec un gamin. Bon sang, mais c'est bien sûr ! Guy et Knife sont allés prendre leur brunch à la bière au bar de l'Ocalani. Pendant ce temps-là, Koala a rendu ce pauvre O'Connor complètement dingue et volé son GPS. En pensant qu'il s'agissait d'une console de jeu. Ça m'embête de devoir en priver Koala, mais j'en ai vraiment besoin. Ça m'embête de devoir en priver Koala, mais j'en ai vraiment besoin. L'idée de devoir voler un enfant ne me rend pas vraiment fier. En fait, je n'ai encore rien fait. Pourtant, j'ai déjà honte de moi. Mais la vie de Gina et celle d'un perroquet odieux sont en jeu. Je dois le faire. Le sale petit morveux, il a failli me bouffer le doigt.